Salut Victor, alors comme promis, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait te dire aujourd'hui et je suis tombée sur Colossiens chapitre 2 verset 8. Mais il y a d'autres choses qu'il voudrait te dire aussi, surtout par rapport à ce qui s'est passé lorsqu'on a discuté ce matin. Alors, en général, j'ai compris que l'ennemi, vu qu'il voit que tu as rencontré Jésus, ce qu'il veut faire, c'est placer en toi le doute, la confusion. Je voulais te dire que moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout sur son identité, si c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'ennemi m'a toujours attaqué sur ça. Et je t'avoue que récemment, c'est ce qui m'est arrivé. Je comprenais pas pourquoi, lorsque j'écoutais l'apôtre Catherine, j'entendais que Jésus, 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 Jésus. Alors que avec mon pasteur, Isaiah, il me disait, enfin, il nous disait à chaque fois, voilà, on aime le Père parce qu'il a envoyé son Fils, on aime son Fils Jésus-Christ parce qu'il nous a sauvés, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on en fait? Au contraire, Dieu est le Fils, Dieu est le Père et Dieu est le Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est comme ça que l'ennemi a réussi à mettre la confusion en moi pendant quelques temps. Et du coup, je vois que même toi, tu traverses ça parfois, mais dans d'autres contextes. Ou sinon, je t'avoue que moi, c'est dans les situations où j'avais l'impression que tout allait bien, au contraire. Que les gens ils allaient bien même sans connaître Christ, mais j'ai juste compris que l'ennemi en fait il se cachait. C'est-à-dire que quand tu connais Jésus et que tu marches dans la vérité, que tu as les yeux ouverts dans le monde spirituel, l'ennemi il va essayer de te tromper de plusieurs manières. Et ça, c'était une des manières, me faire croire que oh, mais en fait, les gens, ils vont super bien, même sans Dieu. Et du coup, j'avais l'impression dans ma tête de me dire, et si en fait tout ça, c'était faux? Tu vois? Il va utiliser plusieurs, mais je t'assure, plusieurs desseins pour nous tromper. Et ça en fait partie. Et comment je faisais pour éviter que ces mensonges, en fait, prennent le dessus sur moi? Je me rappelais de ce que Dieu a fait pour moi à chaque fois. Je me rappelais de toutes les expériences spirituelles que j'ai eues avec lui. Plus que réelles. Tellement que je ne peux pas les oublier. Je me rappelle de la maladie que j'ai eue et du fait que les docteurs me disaient que j'allais pas guérir. Mais que j'ai guéri parce que Jésus m'a guéri. Je me suis rappelée de ce qu'il a fait pour moi, du changement qu'il a opéré en moi depuis que je le connais. À quel point j'ai ressenti un amour si grand que jamais je pourrais oublier le fait que Dieu il existe. Le fait de l'avoir vu en rêve aussi. Le fait d'avoir eu des. Comment dire? D'avoir communiqué aussi avec des démons et de me dire oh, mais mince alors, ça existe. C'est pas juste des mythes, des légendes. Ce sont des choses réelles. Dieu, il existe et les démons, ils existent. Donc, en fait, même si je vois les personnes, j'ai l'impression qu'elles vont bien. Tout ça, c'est parce que quand quelqu'un est oint par Dieu, l'ennemi va tout faire pour se cacher à l'intérieur des personnes parce qu'ils vont pas vouloir se manifester de peur qu'ils soient chassés. Et deuxièmement, c'est un moyen pour l'ennemi de nous faire croire que même sans Christ, tout va bien. Mais lorsque j'ai découvert ce qui se cachait derrière la vie des personnes, parce que quand tu rencontres les personnes, tu as juste la couverture. Mais lorsque tu apprends à les connaître de façon intime, que tu les fréquentes, tu vois ce qui se cache derrière la couverture. Et là, tu vois en fait tout le fardeau, tout le joug et l'oppression démoniaque qu'il traverse en fait. Du coup, dans mon cœur, je me dis non,
Je sais que l'ennemi, il essaie d'utiliser la voie de mensonge dans le monde spirituel pour me faire croire qu'en fait, je vais là. En fait, je suis en train d'aller à un endroit où je me trompe, en fait. Je suis en train de suivre une doctrine qui est complètement erronée. Alors que pas du tout. Dieu, il est réel, je me rappelle. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Je me rappelle, je l'ai vu en rêve. Je me rappelle lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle de cette couche de chaleur. Je me rappelle de ces larmes de joie. Je me rappelle, je me rappelle, je me remémore. Et j'ai foi. Ça a bâti ma foi. Ça l'a d'abord enracinée, fondée, puis ça l'a bâtie. Et du coup, j'ai remarqué que l'ennemi, il fait ça aussi de ton côté. Ce qui est normal parce qu'il ne veut pas du tout que tu aies une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. L'ennemi, en fait, il sait très bien que si ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, elle est soudée, ils auront du mal à replanter le doute et la confusion en toi par rapport à Jésus. Ils auront du mal, ils auront des difficultés. Ils savent que le jour où tu arriveras à connaître Jésus tel qu'il est et que tu apprendras davantage sur son identité, ils auront encore plus de difficultés à te faire perdre pied, à te bloquer, à te tromper, à t'égarer. Du coup, comment tu peux faire? Moi, chaque jour, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert plusieurs aspects de qui est Jésus. Je l'ai découvert à travers des personnes, à travers l'apôtre Catherine, à travers d'autres frères et sœurs. Et j'ai été émerveillée par l'image qui reflétait de Dieu. Et ça a fait grandir en moi cet amour que j'ai pour lui. Même en observant la nature et toutes les belles choses qu'il nous a offertes. Le ciel, les oiseaux, les fruits, à quel point la nourriture, elle est bonne, elle a un goût superbe. Ou même à travers l'abondance, depuis que je connais Jésus, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Il subvient à mes besoins spirituellement, c'est-à-dire quand j'ai pas d'argent. Comme ça, du jour au lendemain, par exemple, on m'appelle, on me dit. Et ça te dit de travailler, tu vas gagner 10 euros de l'heure, tu vois. Du coup, jamais j'avais eu ça auparavant. Auparavant, j'avais tout le temps les portes qui me fermaient au nez. Dans le travail ou même dans les études, je rencontrais des difficultés. J'avais pas d'argent de poche. Enfin, là, Jésus, il me procure tout ce dont j'ai besoin. Et. Parce que je cherche d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire je participe au royaume, je le sers, pas pour recevoir forcément cette abondance, mais les intentions premières d'un serviteur de Dieu, c'est que lorsqu'il sert dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il prêche ou même qu'il donne de l'amour aux autres, juste en disant bonjour avec un sourire ou en prêchant la bonne nouvelle. Toutes ces choses, Dieu, il prend compte. C'est comme si, tu vois, Victor, imagine, tu es dans une bulle et il n'y a rien, en fait, dans cette bulle. Tu as genre comme un terrain, en fait. Et toi, tu arrives, tu plantes des graines, tu arroses. Et puis, il y a des fleurs qui poussent, des roses, tout ce que tu veux. Désolée. Et du coup, en fait, tu subviens à la terre, tu subviens à cet endroit. Et vu que tu te positionnes à l'intérieur, tu vas aussi recevoir les bienfaits. Grâce à toi, il y aura des arbres, grâce à toi, il y aura des fleurs. Les arbres vont donner des fruits. Ça va être un endroit convivial, où il y a la joie, où il y a la paix, où il fait bon vivre. Du coup, non seulement tu permet à cette terre de fructifier, d'être abondante, mais tu vas aussi pouvoir recevoir en fait le fruit de ce travail.
Parce que en étant positionné dans cette bulle, tu vas avoir l'air frais, tu vas pouvoir cueillir les bons fruits, tu vas admirer ces belles fleurs. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu cherches en premier le royaume des cieux et que toutes les choses te seront rajoutées après. C'est un verset, il me semble. Et du coup, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est un témoignage. En servant Dieu, en participant au royaume des cieux, en cherchant le royaume des cieux, Dieu, en fait, il a pu aussi me procurer ce dont j'avais besoin. Parce que je participais au fait de bâtir son royaume, au fait de le faire grandir, au fait de donner accès aussi aux autres à ce royaume. Du coup, tu vois un peu comment Dieu y fonctionne. C'est pour ça que je te disais une fois, c'est important de se positionner aussi là où l'onction est déversée. C'est-à-dire que si Dieu, il t'appelle à recevoir les enseignements à travers moi, je me dois de t'encourager, d'être là pour toi, mais aussi de t'équiper en quelque sorte. C'est pour ça que Jésus, il compte sur moi pour t'aider. Il veut plus que ce qui t'est arrivé aujourd'hui se reproduise. Du coup, après, tout dépend aussi de toi. Parce que moi, je peux te donner les armes, mais tu es aussi libre de ne pas les utiliser. Mais mon but à moi, c'est juste de t'exalter, de t'encourager, de te soutenir, parce qu'on est aussi une famille. On se doit d'être unis. On se doit de s'encourager les uns les autres. Et on a tous été créés dans le sens où on a besoin les uns des autres. Entre frères et sœurs, on est appelés en fait à tous se soutenir. C'est pas parce que moi, on va dire que j'ai été appelée à servir Dieu et que dans mon cheminement, Jésus, il me fait confiance pour porter de l'onction que je n'ai pas besoin des autres. Au contraire, Dieu veut toujours que j'apprenne à m'humilier, quelles que soient les circonstances. Que je me dise, oui, certes, Dieu m'utilise pour aider les autres. Mais moi aussi, un jour viendra où j'apprendrai à travers toi aussi. Où j'apprendrai à travers d'autres frères et sœurs. Où je recevrai aussi des encouragements. Où les autres me diront aussi, on est avec toi, on te soutient, on a besoin les uns des autres. Et c'est très important, qu'on se rappelle en fait qu'on est une famille. Ensuite, si tu veux vraiment comprendre les Écritures, Victor, moi au début, je comprenais pas non plus. Je t'avoue que lorsque j'étais sous l'esprit de religion, je comprenais pas les Écritures. Alors, l'esprit de religion, il va nous donner une révélation erronée des Écritures. Il va détourner la véritable signification des Écritures pour nous égarer de Dieu, pour nous tromper et pour nous voiler sur la vérité, sur la vraie parole de Dieu. Par exemple, c'est ce qui était arrivé ce matin lorsque les démons m'ont dit que tu as douté sur une écriture. J'ai compris en fait que les démons, ils avaient planté en toi la confusion pour ne pas que tu comprennes cette écriture et qu'au final, ça t'a amené à douter de Dieu. Mais n'oublie pas, mon frère, qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Il n'y a vraiment aucune condamnation en Jésus. Jésus sait très bien que on est imparfait pour l'instant. Il nous appelle à devenir parfait, mais il sait très bien qu'on est imparfait pour l'instant. Tant que tu es en Christ, ce qui est le cas pour toi, ce qui est le cas pour moi, il n'y a aucune condamnation. Mais le Saint-Esprit, en fait, il va nous aider. Il va nous aider à éteindre la chair et à le laisser avoir plus de place en nous.
pour nous transformer chaque jour. Donc, même si l'ennemi, il te dit, ah, tu as douté, ah, tu as fait ceci, ah, tu as fait cela, Dieu, il comprend. Parce que Dieu, il voit ce qu'il y a dans le monde spirituel. Il sait, il a vu, ah, il a vu le démon, il se baladait autour. Le démon, il a utilisé sa voix de condamnation et de mensonge qui a atterri dans notre tête, à travers nos oreilles. On s'est dit, oups, c'est ma pensée. Mais en fait, avant de devenir notre pensée, c'était la voix de l'ennemi. Et comme j'ai reçu la parole ointe de Dieu, Dieu m'a enseigné comment l'ennemi y procède. Je sais. Non, ça ne vient pas de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Donc je sais, ça ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge des démons. Qu'est-ce que je fais? Je rejette. Je déclare à voix haute, parce que je connais le verset Proverbe chapitre 18, verset 21. Le pouvoir de la langue, il y a soit la mort ou la vie qui la suit. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise le pouvoir de la langue pour parler uniquement la vie. Ensuite, je sais, Dieu il m'a donné l'autorité pour écraser la tête du serpent. Donc, j'ai cette autorité sur l'ennemi pour lui dire que je ne veux pas de ses mensonges. Alors, je déclare à voix haute, je rejette cette voix de mensonge qui dit que je doute, cette voix de condamnation qui dit que vu que je doute, Dieu, il n'est pas content de moi ou que c'est pas bien ce que j'ai fait, il faut que je me sente mal et que j'ai honte. Je rejette cette voix au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas réussir aussi à prendre autorité sur l'ennemi pour éviter qu'il ait l'avantage sur toi. Maintenant, tu peux te demander, mais waouh, depuis que je suis avec Jésus, j'ai tout le temps des attaques et tout. Je pense que tu sais maintenant pourquoi. En fait, c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas plaisant, Victor. Mais en fait, Dieu, il nous appelle à voir les choses autrement. Je parle aussi pour moi. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es face à la persécution qui vient des personnes extérieures, l'ennemi les utilise pour te persécuter. Dieu nous dit dans la Bible, « Heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. » Et tu vois, nous, en tant qu'humains, on se dit, « Mais Seigneur, comment on peut être heureux quand les gens ils nous font du tort ?» Et là, Jésus, tu vois, il nous appelle à voir les choses à travers ses lentilles à lui. Et ce qu'il m'a appris en moi, à travers l'apôtre Catherine, c'est que oui, en vrai, je suis heureuse dans la persécution. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de me battre pour le bon combat de la foi. Je sais que grâce à mon obéissance envers Christ, de nombreuses personnes pourront le rencontrer. Je sais que de nombreuses personnes ont besoin de lui. Tout le monde a besoin de lui. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont des démons. Il y en a qui sont tristes. Il y en a qui ont des oppressions démoniaques. Moi, le plus important en tant que servante de Dieu, toi en tant que serviteur de Dieu, le plus important, c'est que notre amour pour nos frères et sœurs nous pousse à aller jusque-là. Et je suis heureuse aussi parce que dans mon obéissance, je fais plaisir à Dieu. Pour lui, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est comme dans, je crois que c'est Jean 14, 15, il me semble. J'espère que j'ai pas confondu. Je sais pas si c'est, ouais, je pense que c'est Jean 14, 15. Il dit, obéissez à mes commandements si vous m'aimez. Ces commandements, c'est ce qu'il nous demande de faire. Jésus nous demande de faire des disciples, dans toutes les nations. Il nous demande de combattre contre l'ennemi et pas contre la chair et le sang. Du coup, c'est pour ça que je suis heureuse, parce que je sais que même si je reçois la persécution, en obéissant à Jésus, je lui fais plaisir. Et c'est comme lui dire, Seigneur, je t'aime.
Ou je sais que mes frères et sœurs qui ont besoin de lui vont recevoir de lui. Je suis heureuse. C'est ça ma récompense, c'est de voir la joie sur le visage des autres, c'est de voir mes frères et sœurs libérés. C'est de les voir recevoir Jésus et de le rencontrer tel qu'il est. Parce que c'est pas seulement mon Dieu, c'est aussi leur Dieu. Je suis heureuse dans la persécution parce que je sais que l'ennemi n'est pas content. Si l'ennemi n'est pas content, c'est que ce que je fais vient de Dieu. C'est que ce que je fais est le bon combat de la foi pour Jésus-Christ. C'est que parce que je l'aime, je continue à faire ça. Et du coup, ça, c'est juste un aspect de ce qui pourrait t'arriver. Mais par rapport à toi, je suppose que t'as pu peut-être recevoir la persécution. Ou par rapport à toi, je dirais que l'ennemi t'attaque, comme toute personne qui croit en Christ et qui en Jésus-Christ, il attaque. C'est parce que il veut briser la relation, le lien que tu as avec Jésus-Christ. Il attaque parce qu'il te voit, Victor, comme un adversaire. Il te voit comme un adversaire. Pour l'ennemi, tu es une menace pour le royaume de l'obscurité. Tu es une des plus grandes menaces pour son royaume. Et la vérité, c'est qu'il te craint aussi. Il ne t'aime pas aussi. Il sait que le jour où tu vas vraiment marcher dans l'autorité de Jésus, le jour où tu vas vraiment réaliser que tu as cette autorité pour écraser la tête du serpent, le jour où tu vas réaliser la vraie identité de Jésus, qui ne condamne jamais, mais qui t'encourage tous les jours, Victor. Le jour où tu auras cette relation vraiment soudée, solide avec lui. Le jour où tu le connaîtras encore plus et davantage, et qu'en plus tu recevras de l'onction, tu deviendras une menace pour le royaume de l'obscurité, une menace pour les démons, parce que tu les chasseras. Une menace pour Satan, parce que tu feras perdre du terrain à son royaume de l'obscurité en France. Et tu marcheras dans l'autorité. Donc, pour eux, tu es un adversaire. Et ils ont peur de toi. C'est pour ça qu'ils t'attaquent comme ça. Ils t'attaquent parce que tu es sorti de l'obscurité. Et dès qu'un enfant de Dieu sort de l'obscurité, qu'est-ce qui se passe? Il devient lumière. Et eux, ils détestent la lumière. Ils détestent ça. Ils détestent la lumière. D'ailleurs, tu l'as remarqué, comme les succubes, les incubes, ou je sais plus le nom, les cambones, un truc comme ça. Enfin. Le démon que tu as eu, forcément, il venait te rendre visite la nuit en général. Ou lorsqu'on a des cauchemars, ou que l'on a des rêves démoniaques, c'est la nuit en général. Lorsqu'on a cette paralysie lorsque l'on dort, c'est la nuit en général. Parce que l'ennemi, il procède dans l'obscurité, alors que Dieu, il procède dans la lumière. Donc, ces attaques-là, elles sont justifiées par rapport au fait que tu es en Christ et que tu es en train de marcher en fait en Christ tous les jours. Pourquoi parfois Dieu il permet que ces choses aient lieu? Moi aussi parfois je me suis demandé, j'ouvrais pas de porte. Ça m'arrivait de pas ouvrir de porte, mais j'avais quand même des démons qui venaient m'embêter et je me posais la question pourquoi? Alors, à travers Catherine, j'ai appris que des fois c'était dû au fait que ces démons avaient un level plus élevé. Ils avaient un statut dans la hiérarchie qui était vraiment plus élevé. Donc, c'était des démons assez colossaux. Ou parfois, ce sont des tests par rapport aux attaques. Ce sont des tests spirituels, des épreuves. Dieu va permettre à l'ennemi de nous attaquer, comme il l'a fait avec Job, pour nous modeler plus à son image,
pour nous rendre plus forts et pour, tu sais, nous faire passer avec le forgeron. Le forgeron, il va taper, et pour nous modeler plus à l'image de Jésus. Tu vois, c'est une façon de parler. Et du coup, en y repensant, le fait de passer par les tests et les épreuves, c'est un énorme cadeau pour Dieu. C'est vraiment comme s'il nous disait, mon enfant, je sais que tu es capable de passer par là. Jamais Dieu, il ne va permettre à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Si Dieu, il permet ça, c'est que l'on est capable de traverser ça. C'est qu'il nous a créé et donné la force de résister à l'ennemi. Dans les épreuves, il peut y en avoir de toutes sortes, Victor. Par exemple, tu vas rencontrer des personnes de l'église qui, malheureusement, sont sous le joug de l'esprit de religion. Et ces personnes, lorsque tu vas te confier à eux, ils vont te dire « Oh, mais c'est mal ce que tu as fait. T'es pas du tout en Christ. Il faut vraiment que tu te repentes, sinon tu iras en enfer. » Dans ce genre de situation, Dieu, il va voir comment on va réagir avec ce qu'il nous a appris. Dieu nous dit, ne juge personne, cessez de juger, regarde la poutre d'abord qu'il y a dans ton œil. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois ces personnes et je sais ce qui se passe parce que Dieu, il m'a ouvert les yeux dans le monde spirituel. Je regarde, je sais que c'est un test. Et je me dis, mes frères et sœurs qui sont en face de moi, ils sont sous l'esprit de religion. Donc je sais que je ne me bats pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire je ne me bats pas contre mes frères et mes sœurs, mais je me bats contre cet esprit de religion. Donc qu'est-ce que je fais? Je les bénis. Comme dans Romains 12, 11, je crois, je combats le mal, pas par le mal, mais par le bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je leur dis, je partage avec eux mon amour, l'amour que Jésus a placé en moi. Même s'ils me rejettent, je secoue mes sandales, je secoue la poussière de mes sandales et je m'en vais, mais tout en les bénissant. Voilà. Et là, Dieu va voir, waouh, mon enfant, je peux lui faire confiance avec de l'onction. Grâce à cette épreuve, son cœur est encore plus modelé à mon image. Grâce à ce test, il saura à l'avenir, lorsque Satan utilisera des personnes à travers l'esprit de religion, il saura comment se défendre contre l'ennemi. Il saura que son ennemi, ce n'est pas son frère ni sa sœur. Il saura comment gérer cette situation avec amour et sagesse. Il saura comment résister au diable pour qu'il fuit. Et il pourra rester dans sa foi et il pourra toujours marcher sans que l'ennemi puisse le faire trembler ou faillir. Tu vois, c'est merveilleux parce que je te remercie Seigneur Jésus, mais tu vois Victor, ces tests, ils paraissent pénibles au premier abord. Je t'avoue que des fois je disais aussi, oh Seigneur, j'en peux plus. Mais lorsque je voyais le résultat, lorsque je réussissais les épreuves, je me disais, waouh Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais jamais pu avoir un cœur qui s'est humilié de la sorte. J'aurais pas pu ressembler encore plus à Jésus si je n'étais pas passée par là. Et j'aurais pas pu, tu sais, connaître les desseins de l'ennemi, arriver à discerner ce qui vient de Dieu ou pas, arriver à comment dire, à gérer les situations avec sagesse et avec amour. Donc, franchement, c'est vraiment un cadeau énorme. Et certaines personnes dans la Bible, on dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Certaines personnes ne sont pas choisies pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ne veulent pas passer par les tests, mais c'est parce que l'ennemi, il leur dit de voir les tests sous un mauvais angle, comme si c'était une punition, alors qu'en fait, c'est
C'est pour nous faire grandir dans notre foi. C'est pour nous transformer plus à l'image de Jésus. Ou il y en a d'autres qui malheureusement, Satan va arriver et il va essayer de planter l'orgueil en nous, en eux, ou le désir de gloire. De vouloir avoir beaucoup d'onction, pour être le plus fort des serviteurs, pour voir ça comme une compétition ou comme, tu sais, comme s'il y avait une hiérarchie. Moi, je suis le plus fort et toi, t'es moins fort. Ou sinon, parce que les intentions seront financières. Certains s'attacheront par exemple à l'argent, aux dons qu'ils recevront pour le royaume de Dieu. Enfin, il y a plusieurs raisons. Du coup, en fait, pour toi, c'est pareil. Si parfois tu dois traverser des tests ou des épreuves, dis-toi qu'en le voyant sous l'angle de Jésus, à travers ses lentilles à lui, à travers ses yeux à lui, tu te dis, ces tests-là, c'est pour que Dieu me transforme plus à son image. C'est pour que Dieu me renforce et fasse de moi un soldat qui puisse me faire grandir dans ma foi et qu'au final, je sois inébranlable face à l'ennemi. Tu vois? Donc, merci Seigneur Jésus, c'est trop génial. Merci Père. Du coup, maintenant, je vais te lire le verset. Ah oui, j'avais un truc aussi à te dire. Si parfois, ça peut t'arriver d'avoir des doutes ou de la confusion, n'oublie pas le verset de Jérémie 29, 13, je crois. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. À chaque fois que ça m'arrive, je le cherche. Comment je le cherche? Je prie, je dis, Seigneur, il y a vraiment un truc qui me tracasse. J'ai pas compris. Ça me fend le cœur. Et j'ai vraiment besoin de toi. Je sais qu'il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut me révéler les choses. Et je te demande, Saint-Esprit, de m'aider parce que j'aime pas être dans la confusion. Je rejette cette confusion au nom de Jésus. Je rejette ces doutes au nom de Jésus. Et je te demande, mon Dieu, de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi, dis-moi, réponds à ma question. Peu importe comment tu procèdes, si tu vas le dire à travers un vaisseau, si tu vas le dire lorsque je lirai la Bible, si tu vas le dire à travers un rêve ou une vision, ou même à travers une voix audible, j'accepte, peu importe comment tu vas procéder, Seigneur. Je m'humilie en face de toi. Donc, rien que le fait d'avoir cette soif de le connaître, de savoir qui il est, d'avoir toujours ce feu en toi, de te dire je veux vraiment savoir plus de Jésus, je veux vraiment connaître la vérité, je veux vraiment entendre ce que Dieu a à me dire aujourd'hui, je veux vraiment apprendre davantage, je veux toujours me positionner là où il y a l'onction, toujours recevoir de lui. Le Seigneur, il verra cette action comme si tu sais, tu ouvrais une porte pour lui, une grande porte, comme si tu disais, Seigneur, viens, je t'invite. Dis-moi tout. Et rien qu'en faisant ça, il va voir ta soif, ta foi, ta persévérance, le fait que tu le cherches vraiment de tout ton cœur. Le Seigneur, il va se révéler à toi parce que tu l'as invité en faisant ça. Il va se mouvoir et il va te révéler les choses. Il va répondre à tes prières. Ok, du coup, je vais te lire le verset. Donc c'est Colossiens chapitre 2 versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez accepté Christ Jésus le Seigneur, continuez à marcher en union avec lui, enraciné et bâti en lui, et devenu stable dans la foi, tout comme vous avez été enseigné, débordant de foi dans l'action de grâce. Soyez sur vos gardes, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous entraînera comme sa proie au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les choses élémentaires du monde et non selon Christ. Du coup, le Seigneur t'encourage à te remémorer de ce que tu as eu avec lui pour que ça devient en fait le fondement de ta foi.
Parce que rappelle-toi, tu as rencontré le Seigneur en puissance lorsque les démons ils ont été chassés de toi, lorsque tu as ressenti cette chaleur, lorsque tu avais tes larmes qui coulaient, tu as senti sa présence et c'est ça qui a été le fondement de ta foi, parce que tu as rencontré le pouvoir de Dieu. Du coup, c'est ça qui te permettra aussi, à chaque fois que tu te remémoreras de ce que Dieu a fait pour toi, c'est ça qui va contrecarrer en fait les mensonges de l'ennemi. Et du coup, le Seigneur, il t'encourage à continuer à marcher en union avec lui, chaque jour. Parle avec le Saint-Esprit, cherche-le de tout ton cœur. Et ne t'inquiète pas, je sais que Dieu, il m'appelle aussi à t'équiper. Du coup, j'ai compris ce matin que c'était indispensable que tu reçoives des cours remplis d'onction pour que ça te nourrisse et que tu sois équipé pour te protéger, te défendre et contre-attaquer l'ennemi. Ensuite, il dit enraciné et bâti en lui. Donc, c'est à travers ta relation personnelle et intime avec Jésus que tu seras enraciné et bâti avec lui. Enraciné, c'est le fondement en fait de ton union avec lui, va empêcher l'ennemi d'avoir l'avantage sur toi. Parce que tant que ta relation personnelle est intime, parce que tu connais Jésus tel qu'il est maintenant, tu sais comment il est, tu sais qu'il est amour, tu sais qu'il ne te condamne pas, qu'il te juge pas, qu'il te dit pas, ah, quand tu étais plus jeune, tu martyrisais les chrétiens. Ah, t'as fait tel péché, t'as fait tel péché, je suis déçue de toi, je ne veux pas de toi. Maintenant c'est fini, t'en as un trophée. Non, 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 pas du tout. Au contraire, Jésus te dit, mon fils, je sais, j'ai tout vu. Je sais le pourquoi du comment. Je sais ce que tu as vécu. Je sais qu'il y avait des démons derrière tout ça. Je sais aussi qu'il y avait des malédictions générationnelles qui venaient de tes parents. Je sais aussi que tu n'es pas né dans une famille de chrétiennes. Je sais aussi qu'il y a eu de la sorcellerie qui a causé ce qui t'est arrivé. Je sais aussi que toute cette sorcellerie, ça a permis aux démons d'avoir une porte ouverte dans ta vie, tôt, alors que tu n'étais qu'un enfant. Je sais aussi ce que tu es en train d'endurer. Je vois dans le monde spirituel les attaques de l'ennemi. Mais comme il t'aime, il est toujours là avec toi. Jamais il ne part. Ce qui est le cas aussi pour moi. Donc là, le Seigneur, il utilise un vaisseau, par exemple moi, mais il pourrait aussi utiliser d'autres vaisseaux si tu rencontres d'autres personnes. Mais pour l'instant, il t'appelle à te positionner là où je suis, dans le sens où c'est à travers moi que tu recevras de lui. Je suis juste une servante, Victor, ne t'inquiète pas, mais c'est un plaisir pour moi et une joie pour moi que le Seigneur il puisse te donner à travers moi. Donc, si ta relation avec le Saint-Esprit, elle est enracinée et qu'ensuite elle est bâtie, c'est-à-dire qu'elle va grandir au fur et à mesure, à ce moment-là, tu seras stable dans ta foi. C'est-à-dire que l'ennemi aura du mal à faire, comment dire, à te faire tomber, à te faire faillir. Parce que tu sauras tellement qui il est. Tu seras tellement nourri de la parole de Dieu, où Jésus dit, il n'y a aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ, que je vous aime, que vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus, que ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Il y a quoi d'autre? Que vous êtes des créatures si merveilleuses. En te nourrissant de la parole de Dieu qui est une nourriture. Tu sais, il y a le verset où Jésus dit à Satan, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Du coup, lorsque tu te nourris de cette parole, ça va t'ouvrir les yeux dans le monde spirituel. Tu connaîtras plus Dieu, tu entendras sa voix mieux qu'avant. Et à chaque fois, ça va t'aider à reconnaître les desseins de l'ennemi et à contrecarrer ses mensonges surtout, pour qu'il fuit. Et lorsque l'ennemi viendra, il te dira, oh, mais tu sais, t'as douté, Dieu, il n'est pas content de toi. Oh, mais tu sais, tu es condamné parce que tu as repêché. Oh, mais tu sais,
Tu es faible, tu n'es qu'un gringal. Et... Oh, mais tu es trop jeune pour servir Dieu. Et puis rappelle-toi ce que tu as fait quand tu étais jeune. Hein. Tu martyrisais les chrétiens. Et tu te rappelles aussi de la luxure. L'ennemi va te parler comme ça tout le temps. Les démons, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils vont essayer de réouvrir tes blessures. Ils vont essayer de te faire remémorer le mal qui a été causé lorsque tu étais petit, quand tu étais utilisé comme vaisseau par l'ennemi, pour que tu vives dans la condamnation et la honte, afin que ça t'empêche justement de te tourner vers Dieu et de rester auprès de lui. Et là, en fait, vu que ta relation elle sera tellement soudée avec Jésus, cette relation personnelle, tu le connaîtras tellement tel qu'il est, que lorsque l'ennemi reviendra, tu te diras, tut, c'est totalement faux ce que tu dis. Jésus m'a pardonné. Je sais que je suis guérie par ses moustiques. Je sais qu'il ne me condamne pas, qu'au contraire, il est fier de moi. Je sais qu'il compte sur moi, je sais que je suis digne de lui. Tu lui diras ça à chaque fois et l'ennemi ne pourra pas avoir l'avantage sur toi. Et tu seras stable dans ta foi. Donc, ensuite il te dit, soyez sur vos gardes, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous entraînera comme sa proie au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les choses élémentaires du monde et non selon Christ. Alors, moi je sais qu'en France, j'ai étudié ça et puis j'ai compris comment fonctionnait votre culture. Par exemple, nous, notre culture, si tu veux, c'est une culture oratoire. C'est-à-dire que les Polynésiens, ils ont plus tendance à écouter par voix orale, pas à lire, pas à écrire. Tout se transmettait par voix orale, les traditions, les connaissances. Alors qu'en métropole, je sais que vous aimez lire. Vous adorez, vous avez soif de connaissances, vous avez soif de... Comment vous appelez ça déjà ? De culture générale. Vous aimez en fait apprendre, ce qui est admirable au contraire. Mais Dieu en fait, il t'appelle parce qu'il t'aime. À prendre garde à la sagesse de l'homme, à prendre garde aux connaissances scientifiques, même sur Jésus, même sur Dieu, à prendre garde à la philosophie qui va te dire voici Jésus dans l'histoire, qui il était. En fait, tu vas. Fais pas attention si tu entends du bruit, ce sont mes grands-parents, j'ai pas le choix, ils font du bruit quand ils parlent. C'est comme ça que tu parles en thaïsien en général, c'est une langue où tu parles fort. Donc, fais pas attention si tu les entends. Voilà. Du coup, comme ça proie au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les choses élémentaires du monde. Donc, du coup, Victor, moi je vais te conseiller, en tant que ta sœur en Christ, si tu as soif de Dieu. Et c'est le cas, je suis sûre, je suis persuadée. Si tu as ce désir de le connaître, prends garde à la connaissance que ce monde t'offre sur Dieu. Que ce monde, que la sagesse de l'homme, que la philosophie de l'homme, que les choses élémentaires de ce monde t'offrent de Dieu. Les livres où on te dit... voici l'explication de la foi selon Voltaire. Je ne sais pas, je suis en train d'inventer, tu vois. Tu verras reportage, Arte, qui était Jésus à l'époque, je ne sais pas, des Grecs, tu vois. Si tu veux trouver Dieu dans ce sens où tu as envie de connaître plus sur lui, c'est vraiment à travers la Bible. Maintenant... ce qui pourrait être frustrant, c'est de lire la Bible sans pouvoir la comprendre. Mais le Saint-Esprit désire vraiment te le révéler. Il veut le faire pour tous ses enfants, qu'on passe du temps avec lui en lisant les Écritures. Parce que lire les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est écouter Dieu, c'est entendre sa voix. C'est comme s'il nous parlait. C'est passer aussi du temps avec lui, intimement.
Et lorsque tu auras la révélation par l'intermédiaire du Saint-Esprit, tu seras ébloui. Tu vas être vraiment. Tu es en mode, oh mon Dieu, Seigneur, c'est génial. Mais en fait, waouh! À chaque fois, moi, c'est comme ça depuis que le Saint-Esprit m'aide à lire la Bible et qu'il me révèle la vérité. Waouh, je te dis pas, je vois plus la Bible comme avant. Avant, j'étais fatiguée, je me disais, oh, j'en peux plus, c'est trop long, je m'endormais ou je comprenais rien, donc j'avais super mal à la tête. Mais maintenant, je suis juste genre en forme quand je lis. Je suis trop en forme, je suis surexcitée et je fais que dire waouh, Seigneur, t'es génial et je te souhaite de ressentir la même chose. Mais du coup, comment il faut que tu fasses? Il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment important. Mais pour ça, il faut d'abord que tu t'abandonnes à Dieu dans tous les sens du terme. Que déjà, tous ces démons n'aient plus d'emprise sur toi et qu'ils n'habitent plus en toi. Que tu sois totalement délivré. Que tu sois prêt à t'abandonner à Dieu dans tous les sens du terme. Et ensuite, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Que j'aurai la joie de pouvoir prier pour toi pour que tu le reçoives. Et tu pourras parler en langue, prier en langue. Ce sont des dons en fait que Dieu nous offre pour nous aider dans notre cheminement. Ok? Et du coup, comment tu peux t'abandonner à Dieu à 100%? Mais genre à 100% Victor. C'est en fait en tombant de plus en plus amoureux de Dieu. En fait, tu te rendras compte que Jésus, il est tellement cool, tellement génial, tellement amazing, tu te diras, mais en fait, je peux vraiment m'abandonner à lui parce qu'en fait, j'ai aucune crainte. J'ai aucune crainte. Genre, le Seigneur, je sais qu'il a juste des plans magnifiques pour moi. Moi, par exemple, imagine, je veux 3 enfants. Lui, peut-être qu'il va m'en offrir 5, tu vois. Je veux peut-être un appartement. Ben non, en fait, il va m'offrir une maison, tu vois. Donc, en fait, mes plans. Je les abandonne, mes désirs, je les abandonne, mon futur, je l'abandonne pour lui. Tous mes rêves, les plus vains ou qui font pas partie de son plan, je l'abandonne parce que je lui fais confiance. Même mon corps, je l'abandonne à lui. Tout ça, je sais que, en fait, mon Dieu, il est tellement super. Il est genre tellement cool, tellement génial, tellement amour, tellement rigolo, tellement lumière, tellement saint que. En fait, je peux m'abandonner à lui. J'ai pas peur. Je sais qu'il n'y aura que du bon après ça. Il n'y aura que du bon. Il y a le verset qui dit que celui qui perd sa vie la retrouvera. En gros, en t'abandonnant complètement, certes, tu perdras ta vie. Tu perdras peut-être tes amis, peut-être des membres de ta famille, peut-être des rêves, ta carrière, ton travail, tes plans. Tes hobbies ou même le futur que tu avais planifié ou même je sais pas le fait d'avoir un mari ou une femme attends qu'est-ce que je raconte pour toi le fait d'avoir une femme ou d'avoir même des enfants mais tu n'as pas peur parce que tu connais la personnalité de Jésus tu sais qui il est vraiment et tu sais qu'il veut juste le meilleur pour toi et notre Père sa volonté pour nous elle est parfaite. Mais carrément parfaite. Donc, avec cette foi, tu verras le lendemain les fruits en fait de ta foi. Et c'est comme ça que tu peux t'abandonner à lui, c'est en connaissant Jésus tel qu'il est. Et c'est vraiment important. C'est ça qui m'a encouragée, Victor, à m'abandonner à lui. Au début, j'étais en mode, non, Seigneur, vraiment, j'aimerais me marier plus tard, j'aimerais avoir des enfants. C'était en fait il y avait juste ça qui bloquait et je me suis dit non le Seigneur il est même digne que j'abandonne ça pour lui et puis je fais confiance je sais que c'est lui qui a planté ce désir en moi de me marier un jour et d'avoir des enfants parce que c'est un désir qui est bon c'est un désir qui est sain donc je crains rien j'ai pas peur mais j'abandonne quand même parce que je lui fais confiance je vais le laisser guider mes pas et construire mon futur. Et quand tu recevras le baptême du Saint-Esprit, tu pourras marcher dans l'onction. Tu recevras encore de l'onction et de l'onction et de l'onction. Et ensuite, tu pourras avoir la révélation des Écritures. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à le lire. Donc voilà, c'est vraiment le message que Dieu voulait te donner aujourd'hui.
Et si tu veux trouver plus sur Jésus, ça sera spirituellement. Et ça sera à travers les cours remplis d'onction sur lui, en écoutant des vaisseaux de Dieu, ou en lisant les Écritures, ou en écoutant les témoignages de tes frères et sœurs qui ont reçu Jésus, ou même en ayant des rêves ou des visions. Et en continuant comment dire, à te focaliser sur cette relation personnelle que tu as avec lui. C'est vraiment le plus important. De passer du temps avec Dieu. Tu peux rigoler avec lui, mais tu sais déjà tout ça, Victor. Du coup, et même Dieu, il va t'aider, il va transformer ton cœur pour que tu puisses aimer tes frères et sœurs comme jamais tu ne les as aimés auparavant. Il te fera voir tes frères et sœurs comme étant aussi précieux que tu l'es aux yeux de Dieu. Et c'est magnifique. Je suis aussi là pour t'encourager. Et je sais que un jour, le Seigneur, il va faire grandir notre famille en France et à Tahiti. Je sais qu'il va amener des personnes qui auront autant soif de Dieu que nous. Et qu'on pourra tous se soutenir, rester unis et combattre pour la bonne cause, pour Jésus, parce qu'on l'aime tous.